Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Calling All Dev. Nous commençons cet épisode avec Dan Truffin, à qui Jaren pose la question suivante. Les PNJ se déplaceront-ils à l'intérieur du vaisseau et auront-ils toujours besoin de manger et de boire? Dan Truffin répond que oui, ils auront une routine qui leur dira quand ils doivent être à leur poste et quand ils doivent être en repos ou faire de l'exercice. Et si vous commencez à avoir de nombreux PNJ pour les tourelles, ils seront capables de se relayer. Par contre, lorsque vous rentrerez en mode combat, les PNJ changeront alors de routine et passeront eux aussi en mode combat. Ils cesseront alors toutes leurs activités pour courir à leur poste. Attention par contre à ne pas toujours les laisser en mode combat, car effectivement ils resteront à leur poste, mais leur morale chutera drastiquement, et ils seront alors en colère contre vous, il en résultera une baisse de performance. Nous retrouvons maintenant Chad McKinney, pour une question sur la persistance. Quels sont vos plans pour permettre la sauvegarde de configuration de vaisseau, tels que les groupes d'armes sélectionnés, la configuration des composants, etc. Il se trouve qu'il y a deux moyens qui peuvent permettre cela. Soit sauvegarder la configuration sur votre ordinateur, mais si vous en changez, vous perdrez tout. Soit sauvegarder dans une base de données liée à votre compte, pour vous permettre de changer de machine. Et il s'avère que les deux sont déjà possibles aujourd'hui, puisque tout est en place pour le permettre. Il suffit que les équipes concernées se réunissent pour l'implémenter. Mais c'est avant tout une question de priorité, et cette fonctionnalité n'est pas forcément à l'ordre du jour. Pour terminer cet épisode, Jared appelle Kirk Tom avec la question suivante. Pourrons-nous ajuster la hauteur des sièges dans nos vaisseaux? Si l'angle de vue est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les développeurs souhaitaient que vous ayez toujours au moins deux écrans dans votre champ de vision. Même si parfois, comme dans le Cutlass, vous avez tout un tableau de bord devant vous. Deux écrans suffisent à vous montrer le minimum vital. Cela étant dit, les développeurs adoreraient vous permettre de changer la hauteur du siège. Mais cela implique quelques challenges. Par exemple, le HUD, autrement dit votre interface de navigation, est physiquement placé par rapport à votre siège. Il faut donc trouver un moyen d'ajuster le HUD en fonction de la hauteur du siège. Même chose pour l'attachement de vos mains sur les commandes du vaisseau, car votre personnage est en quelque sorte englué sur le joystick. Vous risquez donc d'avoir une manière très étrange de piloter. Et enfin, un des problèmes majeurs est la nécessité de refaire énormément d'animations de rentrée et de sortie des sièges, qui sont d'ailleurs partagées par beaucoup de vaisseaux pour faciliter le travail des animateurs. Ainsi, chaque animation devrait être retravaillée individuellement pour chaque vaisseau, plutôt que d'avoir une animation commune à l'ensemble des chasseurs par exemple. Ce ne sont pas des problèmes insolubles, mais ils demandent énormément de temps et d'énergie. Pour finir, la dernière étape qui irait jusqu'à demander de nouvelles technologies concerne l'interface. Si tout le reste peut être fait manuellement avec quelques corrections, créer une IA adaptative en temps réel demande beaucoup plus d'efforts. Concernant le Terrapin en particulier, qui est très touché par ces problèmes, il n'y a pas de nouvelles pour l'instant sur une éventuelle correction du champ de vision. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Merci aux tipeurs pour leur soutien. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le Discord Roxy La Rotule, les liens sont dans la description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un tour sur notre Tipeee mais aussi partager cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.